Vous vous souvenez de ces images? C'était à la fin octobre dernier. Le Collège de Champigny annonçait la création d'un nouveau programme, celui du football cadet. Bien du travail s'est effectué depuis cette conférence de presse. Tellement que déjà on passe au terrain. En effet, c'est plus de 30 joueurs qui se sont présentés à la surface du Juvénat Notre-Dame afin de débuter les exercices. Mené par François-Martin Morissette, on pouvait sentir un bel esprit tout en apprenant les techniques de base et parfaire nos acquis. Le responsable appréciait bien ce qu'il voyait. C'est vraiment le cas d'initiation. On a fait une première journée au collège, dans le gymnase, pour leur apprendre ce que c'est quoi le football. Ici, on veut encore, mais sur un terrain qui va ressembler beaucoup au terrain qu'on va jouer, un terrain synthétique. Donc, on voulait qu'ils soient capables de plaquer correctement, apprendre les techniques de plaquer, connaître les positions un petit peu, sans les connaître parfaitement, mais au moins qu'il y ait une idée, c'est quoi une position au football. Par exemple, c'est quoi un joueur de ligne offensif, un joueur de ligne défensif, un joueur de ligne, ainsi de suite. On voulait vraiment les initier à toutes les parties du football pour qu'ils puissent, lorsqu'on va arriver au 4 printemps, qu'ils sachent au moins c'est quoi la position qu'ils aimeraient jouer. Même si c'est pas une position définitive, au moins ils vont avoir une idée de la position qu'ils aimeraient jouer pour la saison prochaine. Que t'aimes ce que tu vois sur le terrain jusqu'à présent? Ah oui, c'est vraiment le fun. On a quand même beaucoup de gens. On a beaucoup de potentiel. On voit les jeunes, ils ont aimé ça, ils ont séduit la position. Ça va être vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la saison. Avec le nombre de jeunes qu'on a aussi, c'est très, très intéressant pour faire une saison de football. Parce que justement, ça te permet justement d'avoir un peu les qualités athlétiques de tes joueurs. Exactement. On fait quand même une première approche pour voir exactement où les jeunes vont jouer. En faisant un cas comme ça, on a quand même une bonne idée qui pourrait être mon corps à l'air, qui pourrait être mon porteur, mon serveur de ligne. C'est sûr qu'avec une première approche comme ça, les positions ne sont pas définitives, mais ça nous donne une bonne idée à voir où est-ce qu'on va placer nos jeunes plus tard. Est-ce que c'est une idée également de voir un peu le rôle de tes leaders, qui auront un rôle de particulier à l'intérieur de l'équipe? Ah oui, ça aussi, c'est important. C'est sûr que nos capitaines, c'est eux autres qui vont vraiment porter l'équipe sur leurs épaules. Comme ça, on pourra voir ceux qui ont... Dans une situation comme ça, on le voit très bien, ceux qui prennent un peu le leadership envers les autres. C'est une bonne occasion pour voir ce côté-là des jeunes. Les capitaines, les leaders, ils vont nous faire du recrutement aussi à travers l'école. Ils vont en parler, c'est eux autres par qui le programme va passer. C'est important aussi de ce côté-là. Et on a eu l'idée également d'inviter les sixièmes années qui seront au collège l'an prochain? Oui, ça c'est... On s'est dit qu'on a parlé beaucoup de football durant l'automne avec les conférences de presse, ces choses-là. En plus, ben, durant la journée porte ouverte, on a accueilli nos sixièmes années, on avait un stand football. Donc, il faut qu'ils voient que le programme va partir. Donc, on a décidé de les inviter pour qu'ils puissent venir jouer avec nous, voir déjà dans les premiers abords qu'est-ce qu'il y a le programme avec nous. Comme ça, ils vont pouvoir nous suivre au courant de l'année prochaine puis être vraiment à jour côté football pour savoir ce qui se passe. Quand on arrive pour la période de plaquer, cependant, là, on est divisé en deux groupes, hein? Oui, on est divisé les sixièmes années, surtout parce que c'est leur première fois. Parce qu'il y a plusieurs sixièmes années qui vont être capables de plaquer avec les secondaires. C'est sûr qu'on mettra pas les plus gros contre les plus petits, c'est sûr et certain. Mais plus tard, au cours de la saison, ils vont être capables, ils vont s'habituer et être capables de plaquer. Terminant, ambiance correcte, mais cependant, on veut déjà incruster une belle discipline. Ah, la discipline au football, c'est très important parce qu'on a une trentaine de joueurs, puis on a beaucoup de choses à voir. Si on passe notre temps à faire de la discipline, c'est tout du temps perdu. Donc, c'est pour ça que le football, on garde une très bonne discipline pour être capable de voir tout ce qu'on veut. Puis aussi, ça va avec l'école aussi, tout, c'est vraiment un esprit comme ça.